Allez, salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, une vidéo de déballage. Voilà, téléphone que j'ai reçu. Donc c'est le normalement le Blackview A7 Pro, si je dis pas de bêtises. Tac, donc téléphone qui a été envoyé par la boutique Gearbest. J'ai pas été voir le prix déjà. On va regarder. Me rappelle plus, on en commande tellement honnêtement. On va se mettre là. Tac. Black. View A7, ça c'est le A7 normal. Le A7 Pro, il est actuellement en vente flash à 59 euros. Donc là, on est vraiment au prix bas. Ça vous a fait le A7 normal. Le A7 Pro, la particularité, bon, il a double appareil photo, ils ont capteur d'empreinte, mais il a la 4G et il fait. Ils mettent plus rien sur la boîte. Une boîte colorée. Pour le prix, c'est plutôt pas mal. On a une boîte assez coloré, mais normalement je crois qu'il fait 2 Go de RAM, je crois. Là, ici Android 7, écran 5 pouces en 720p, 2800 de batterie, 2 Go de RAM et 16 Go de ROM. 5 et 8 mégapixels à l'arrière et 3 à l'avant. C'est plutôt pas mal ce qu'il propose à ce prix-là maintenant. Donc là il est en version or. On va le poser là. Il y a une coque silicone avec. Je vais juste l'ouvrir. Pour l'allumer, tac. Donc batterie amovible, oui. Tac. On n'oublie pas d'enlever le scotch ici. Scotch que moi je remets là, parce que je le remettrai en place lors de la vente. Donc la batterie 2800, ok. Une SIM, deux SIM, carte SD. Ça, on verra un peu plus après lors du test. Juste, je l'allume, on aura le contenu de la boîte. Hop là. Pendant ce temps, donc on continue. Donc on a une coque silicone, c'est déjà bien. On a un carnet Blackview. Ben voilà, un petit lanceur rapide. Un plus, un câble USB, micro USB. Voilà, logo T Blackview. Pas si vous arrivez à le voir là, ouais. Voilà, logo T Blackview ici. Et un chargeur secteur de 1 ampère. Bon, pas de charge rapide à 59 euros. Hein. Vous en doutez bien. Voilà, ce sera tout pour le contenu. C'est déjà pas mal. Hein. On a le nécessaire. Et en plus, on a une coque silicone. Donc, qu'est-ce qu'on va demander de plus? Hop là, je vais faire une petite mise au point, pardon. Qu'est-ce qu'on demande de plus à ce prix-là? Petite coque silicone sympa. On a un film posé dessus. Ça, c'est pour la protection transport. Et on en retrouve un deuxième qui est également posé dessus. On se le paramètre vite fait. Ça, je vais mettre là. Tac. Allez, on se le configure. Premier pas, on va mettre en français. France. On y va. Une carte SIM, on s'en fout pour l'instant. Configurer en tant que nouvel appareil. Le Wi-Fi, je m'en fous pour l'instant. Aidez-nous, aidez-nous. Hop, on enlève. On s'en fout. Suivant. Comme ça, on se mettra le capteur d'empreinte. Ça fait longtemps que je n'ai pas fait un petit Blackview quand même. Hein. Donc, on va ajouter une empreinte. Empreinte plus schéma. Non. Suivant. Allez, on met l'empreinte. Voilà. Empreinte ajoutée, on fait continuer. Ah merde, j'ai fait quoi? J'ai pas confirmé, non? On fait ignorer. Configurer plus tard. Ok, je ferme. Je mets un coup. Première fois avec le code. Voilà. On va mettre de la luminosité. Ah, l'écran accroche un peu. Il faut que je mette un petit coup de chiffon là. Ça accroche un peu au début.
On n'est pas sur les mêmes écrans que sur le téléphone. Hein. Ouais, ça fonctionne. Hein. Tiens, c'est le téléphone à 50 balles. Ouais, juste je pose le doigt. C'est énorme. Je sais pas pourquoi il clique encore. Donc voilà, l'écran lumineux, ouais, c'est pas mal. Après, on fera le tour du reste. Hein. System Manager et tout. On a un tiroir d'application. On a les widgets. Apparemment, on a des thèmes aussi. Donc après, on verra une fois connecté s'il en proposera plus. Allez, on se prend deux photos. Le flash, on s'en fout. Tac, je désactive. Ici, la taille de l'image. En 8, ouais. La taille, si je passe en 16/9, je reste en 8, ça c'est plutôt bien. Bon, allez, ok, on se fait une photo. Allez, on voit ce que ça donne. Toujours. Autorisé. Tech. Donc première photo prise. Ouais, c'est propre quand même aussi. Hein. Le zoom est pas énorme là. Ouais, mais c'est propre. Putain, pour 50 balles, non, ça va. Là, mais... Ça reste propre. On voit qu'on a une légère fuite de lumière ici là. Dans l'écran. Ça, on le verra après. Lors du test, donc voilà, après on retrouve quoi? Les boutons qui ne sont pas rétroéclairés qui sont ici. Caméra, capteur de proximité, haut-parleur, jack 3.5, double appareil photo, simple flash, capteur d'empreinte, haut-parleur, micro USB, micro, power, volume plus, moins. Voilà, on refera le tour après. Courant du test, voilà, c'est le déballage de ce A7 Pro, et je vous retrouve bientôt pour le test de celui-ci. Ciao, ciao.